Let us attempt to do also that which wisdom admonishes, saying, drink the waters of your own springs and wells, and let your spring be your own. Therefore you also attempt to have your own well and your own spring, so that you too, when you take up a book of the Scriptures, may begin, even from your own understanding, to bring forth some meaning, and in accordance with those things which you have learned in the Church, you too attempt to drink from the fountain of your own abilities. You have the nature of living water within you. There are within you perennial veins and streams flowing with rational understanding, if only they have not been filled with earth and rubbish. You too, therefore, cleanse your natural ability, that sometime also you may drink from your own springs and may draw living water from your wells. For if you have received the word of God in yourself, if you have accepted the living water from Jesus and have accepted it faithfully, a fountain of water springing up into life eternal will arise in you. For 75 years, Source Chrétienne has played a fundamental role, edit, translate, and publish the Christian writings of the first centuries. The texts in Greek, Latin, and the Oriental languages are those called the Fathers of the Church and their inheritors of the Middle Ages. Today, these texts are a source for many. Pour les chrétiens orthodoxes et pour toute l'Église, les pères de l'Église sont vraiment le fondement de la foi de l'Église. C'est grâce à eux que nous sommes ici, c'est grâce à eux que l'Église existe, et c'est eux qui nous ont donné toute la tradition de l'Église, et notamment toute la tradition herméneutique et théologique. Sans eux, nous ne serions pas là et nous ne pourrions pas développer cette tradition dont ils nous ont donné tous les fondements et qui est extrêmement actuelle jusqu'à aujourd'hui. Je crois que quand on étudie les lettres classiques, on a envie de savoir aussi ce qu'il est advenu des premiers lecteurs des lettres classiques. Et les pères de l'Église ont lu la même chose que nous qui étudions ces disciplines. Et ils l'ont lu avec leur propre regard. Donc c'est à la fois un regard qui peut être proche, qui peut être, mais aussi un regard qui marque une distance. Donc ça, c'est tout à fait passionnant de voir comment, finalement, les pères de l'Église sont les premiers lecteurs et reproduisent ou nous donnent déjà une idée de notre propre travail de lecture avec ce jeu d'écart et de rapprochement. Par ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec les pères de l'Église, c'est leur force d'interpellation. Ils sont loin de notre époque et pourtant, grâce même à l'écart temporel, ils ont des choses à nous dire et des questions à nous poser. C'est grâce aux pères de l'Église que nous avons accès à beaucoup de textes classiques. Je pense notamment à Clément d'Alexandrie qui a énormément cité les pères grecs. Et sans lui, nous ne pourrions pas avoir accès à ces textes-là. Ils ont même pensé les textes anciens au regard de leur propre foi. Alors, cela aussi, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est une manière de situer le rapport entre culture et foi. Since late antiquity, when they were written, it has been a long journey for these texts to come up to the present time. Some of them were conveyed through numerous manuscripts, others were discovered only recently, such as the Sermons on the Psalms of Origen that were found in April 2012 in a manuscript in Munich. To reconstitute this itinerary requires meticulous care. This process is known as the science of ecdotics. Each year, Source Chrétienne organizes a professional training period for this special skill. Il s'agit de suivre les étapes de l'édition dans le cadre d'un stage d'ecdotique. On va commencer par rechercher son texte, le texte qu'on va choisir d'éditer. Pour ce faire, et on vérifie d'abord si ce texte est éditable. Dans ce cas-là, on se réfère soit à un texte déjà édité, c'est le cas la plupart du temps. Donc on consulte des éditions anciennes et on consulte les introductions des éditions anciennes, soit dans le cas d'un texte inédit, on va se confronter directement
au manuscrit, ce qui est très rare de toute façon et concernera très peu de cas. Alors, il faut savoir où sont les manuscrits du texte qu'on veut éditer, parce qu'ils peuvent être n'importe où dans le monde. Pour un auteur ancien, grec ou latin ou oriental, les manuscrits ont voyagé beaucoup. C'est la vie des textes. Ils ont été recopiés, ces textes, lus, commentés, débattus, enseignés. Et donc, tout ça, ça entraîne des copies qui se dispersent et qui voyagent d'une bibliothèque à l'autre, d'un érudit à l'autre, etc. Donc, il faut chercher où sont les manuscrits une fois qu'on a choisi l'auteur et l'œuvre qu'on veut éditer. Et pour ça, on a aujourd'hui des instruments de travail qui nous aident beaucoup. Chaque grande bibliothèque où il y a un fonds important de manuscrits anciens édite en général un catalogue de ces manuscrits. Mais maintenant, il y a en quelque sorte des catalogues de catalogues, c'est-à-dire des bases de données accessibles sur Internet, notamment les bases de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, Medium pour les manuscrits occidentaux, Pinakes pour les manuscrits grecs notamment. Et ça, c'est très pratique parce qu'on tape le nom de son auteur ou de son œuvre et puis il vous donne une liste qui n'est pas forcément exhaustive, ça ne dispense pas d'aller gratter dans les coins après, mais une liste quand même, pour l'essentiel, assez complète, de tous les lieux, les bibliothèques, les grandes bibliothèques du monde, où il y a soit l'œuvre complète recopiée dans le manuscrit, soit même des morceaux d'œuvres, parce qu'il y a des florilèges, etc. Donc une fois qu'on a identifié les différents manuscrits, soit on se rend dans les différentes bibliothèques, soit on commande des photos ou des reproductions de ces manuscrits, et on en entreprend la lecture. Cette lecture suppose de connaître la langue en question, donc pour les langues anciennes, essentiellement le latin ou le grec, et de déchiffrer les écritures de ces manuscrits qui remontent essentiellement aux années, au Moyen-Âge, aux années entre le 7e, 8e siècle et la Renaissance. Une fois qu'on a fait cette lecture et donc qu'on a enregistré, noté les différentes leçons des manuscrits, on peut entreprendre ce qu'on appelle leur collationnement, c'est-à-dire qu'on dispose dans différentes colonnes les différentes leçons et on les compare entre elles. Ce qui permet d'identifier entre les différents manuscrits des familles et qui vont nous aider à organiser notre édition. Et le but final de notre tentative d'édition, c'est de reconstituer un texte, sinon original, du moins qui s'approche le plus possible du texte original, édité par l'auteur de son vivant ou par, après sa mort, par ceux qui se chargent d'éditer son œuvre. Sans compter qu'il peut, l'auteur lui-même a pu éditer plusieurs fois son œuvre, donc on n'est jamais sûr d'approcher vraiment l'œuvre originale, mais on y tend. Tel est le but de l'édition. J'ai décidé de postuler ma candidature pour suivre le séminaire de paléographie et ectotique auprès des sources chrétiennes, parce que je considère que c'est un centre de recherche majeur en France et bien connu en Italie aussi. Pour la première fois dans ma vie, j'ai l'occasion vraiment de me mettre à contact avec un accès direct au texte. On voit une participation importante qui peut compléter la formation étudiante que nos universités donnent. L'ambiance est très sympathique et très conviviale. Je suis venue d'Allemagne pour le stage d'ectotique parce qu'on m'en a parlé beaucoup. Et étant donné que je travaille sur un auteur chrétien, à savoir Saint Jérôme, les pères de l'Église sont quelque chose qui m'intéresse. Du coup, pour moi, l'intérêt, c'est d'être dans un groupe avec des gens qui travaillent sur des auteurs similaires ou qui ont les mêmes intérêts. Pendant les premiers jours du stage, j'ai appris beaucoup de choses, notamment puisqu'il y a des enseignants qui sont très formés dans leur domaine, qui ont des expériences personnelles avec l'édition des textes. Et c'est ça que je retiens le plus, leurs exemples qu'ils peuvent donner sur un domaine qu'ils connaissent très très bien. Moi, je retiens le plus que l'édition du texte, ce n'est pas quelque chose de figé, qu'il faut s'adapter à ses manuscrits, à son texte.
Let's take the example of Irénée, Bishop of Lyon in the 2nd century. All his works have been published by Source Chrétienne. Pour prendre un exemple, la collection Source Chrétienne compte 10 volumes d'Irénée de Lyon qui sont consacrés à son œuvre contre les hérésies. Cette œuvre nous a été transmise en différentes langues. C'est une œuvre originalement écrite en grec. Mais de ce manuscrit grec, il ne nous reste pas grand-chose. Nous avons la chance de disposer de quelques fragments de papyrus qui sont contemporains de la date de l'écriture du texte, c'est-à-dire environ les années 200. Mais ce sont des fragments. C'est un papyrus de l'Oxyrinthe qui ne peut pas permettre à lui seul de reconstituer le texte. Nous avons de l'époque byzantine des fragments qui ont été recueillis dans un florilège, dit florilège d'Ocride, qui permettent eux aussi de reconstituer une partie du texte en grec. Mais c'est tout à fait insuffisant pour reconstituer l'ensemble du texte et on doit faire appel pour éditer le texte aux traductions de ce texte, traductions anciennes. Et oui, c'est un travail de reconstitution qui est minutieux et délicat. En effet, l'œuvre d'Irénée a été perdue en grec, la langue où il l'a écrite. Mais heureusement, il avait été en effet traduit dans l'Antiquité. Alors, la base essentielle pour éditer aujourd'hui le texte d'Irénée, c'est une version latine qui date probablement du 4e siècle. On n'est pas toujours d'accord sur la date précise. Mais là, on a l'œuvre complète en version latine d'Irénée, pour le contre les hérésies. Mais on a aussi, pour plusieurs livres, une version arménienne, qui a dû être faite un peu plus tard que la version latine. Et on a même, pour certains passages seulement, une version syriaque, parce qu'il y a un auteur grec du 6e siècle, Sévère d'Antioche, qui a cité Irénée, et le texte de Sévère d'Antioche a lui aussi disparu. Ça, c'est les aléas de l'histoire des textes anciens. Mais il avait été traduit en syriaque, ce qui fait qu'on a un peu d'Irénée en syriaque aussi. Alors, ça fait toute une mosaïque, comme ça, de versions anciennes, qui demande des compétences linguistiques assez variées, puisqu'il faut pouvoir lire un peu de syriaque, beaucoup d'arménien et beaucoup de latin, pour se rapprocher de l'œuvre telle qu'Irénée l'avait écrite. Et bien, c'est en utilisant toutes ces sources, et c'est ce qu'ont fait les éditeurs de Sources Chrétiennes dans leur grande édition en 10 volumes, en utilisant toutes ces sources, on arrive à restituer en traduction française à peu près ce qu'avait dû être la pensée et le texte d'Irénée. On vient d'évoquer ici à la fois la tradition directe et la tradition indirecte de transmission d'un texte ancien. On peut préciser également, dans le cas de cette tradition indirecte, qu'il existe plusieurs formes de transmission, notamment ces textes sont cités par d'autres auteurs plus tardifs, dans la mesure où ils intéressent un public varié dans le cadre des écoles monastiques au Moyen-Âge, dans le cadre de la Lectio Divina, dans le cadre aussi des controverses théologiques où des extraits vont être repris, notamment dans le cadre des conflits entre catholiques et protestants, pour soutenir telle ou telle thèse. Et donc on retrouve de nombreux extraits des auteurs anciens, des pères de l'Église, dans les textes de la Renaissance, du Moyen-Âge, mais surtout de la Renaissance, et ils vont être diffusés à cette période assez largement, à cette occasion. À certaines époques, par exemple à l'époque carolingienne, les théologiens occidentaux citaient énormément les pères de l'Église, parfois sans le dire, mais ils leur reprenaient des pages entières, ce qui fait qu'on peut retrouver des pages de pères comme saint Augustin ou d'autres chez les auteurs carolingiens, et c'est précieux pour l'édition des textes parce que ce sont des témoins plus anciens que les manuscrits dont on dispose par ailleurs. Et puis ensuite les humanistes se sont intéressés à ces textes, et on a par exemple pour Irénée on a une belle édition faite par Erasme au début du 16e siècle de l'œuvre d'Irénée, et c'est
C'est un chapitre important de l'histoire du texte d'Irénée, cet intérêt humaniste, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pères de l'Église. Parfois, ces éditions elles-mêmes sont une source pour l'éditeur moderne, parce qu'il arrive que les éditeurs humanistes aient pu disposer de manuscrits qu'on a perdus depuis eux, ce qui fait que leurs éditions deviennent une source presque à l'égal d'un manuscrit pour éditer aujourd'hui ces textes. Once this long search has been achieved and set into print form, the book is about to appear. Comment se présente un volume des sources chrétiennes? Eh bien, tout s'organise autour du texte ancien et tout vise à expliquer le texte ancien. Donc, il y aura bien sûr une introduction, une bibliographie, des index, mais au cœur du livre, nous avons le texte ancien. Si on prend Cyprien de Carthage, l'unité de l'Église, on a également l'exemple d'un texte latin avec deux recensions. C'est-à-dire une double version qui a été transmise par deux traditions manuscrites. Donc on se retrouve avec deux colonnes de textes qui vont être mis en parallèle, même s'ils sont différents, et justement pour pouvoir voir les différences. Mais la majorité des textes sont évidemment plus simples. Normalement, on établit une tradition, et c'est le texte que nous aurons. Une large majorité des textes édités dans sources chrétiennes sont des textes latins ou grecs. Mais nous ouvrons de plus en plus la collection ces dernières années à des textes orientaux. Donc nous avons par exemple Éphrem de Nisibe, les hymnes contre les hérésies, où le texte en vis-à-vis est en syriaque. Il s'agit en plus d'un texte poétique, donc avec une mise en page qui lui est propre. Également, dans ces dernières années, le SC 580 Jean de Bolnissi, les homélies, qui est écrit en géorgien. Donc c'est aussi un exemple de ce qu'on peut voir de textes qui sont des textes, des commentaires de passages bibliques, ce qu'on appelle des textes exégétiques. Et donc, dans notre collection, tout ce qui est repris du passage biblique principal qui est commenté, on appelle ça un lemme ou une reprise de lemme. Et donc c'est dans une mise en forme particulière, ici le gras italique, qui est pour le distinguer de l'italique des citations scripturaires plus simples. Pour expliquer le texte, donc nous avons vu le texte ancien, la traduction. Dessous, nous avons des apparats et des notes. Alors, qu'est-ce qu'un apparat? On va prendre l'exemple de Grégoire de Nice, les homélies sur le Notre Père. On verra sous le texte grec l'apparat critique, qui donne donc les variantes textuelles par rapport au texte principal qui a été retenu. On a dessous un apparat des testimonia, donc qui recensent les citations du texte dans la tradition indirecte. En face, un troisième apparat, il s'agit de l'apparat scripturaire, c'est-à-dire il recense les citations scripturaires, les citations du texte biblique que nous repérons dans le texte. Et enfin, nous avons des notes explicatives. Donc tout ça, ça fait partie du contexte que nous donnons pour mieux comprendre le texte ancien. En parallèle de l'apparat scripturaire, nous avons l'index scripturaire qui lui répond, mais qui est en fin de volume et qui ouvre la section des index de nos volumes. Alors, l'index scripturaire est pratiquement toujours présent puisqu'il s'agit de recenser les citations du texte biblique qui sont normalement fréquentes chez nos auteurs. Nous avons ensuite, souvent, pour certains textes, l'index onomastique qui recense les noms de personnages, de lieux, de peuples, etc., qui est particulièrement important pour les histoires ecclésiastiques, les correspondances, tous les textes qui sont ancrés dans leur contexte historique. Un cas très particulier d'index, c'est l'index thématique des sermons sur le Cantique de Bernard de Clairvaux. C'est un index extrêmement élaboré, hein, donc avec vraiment une grille de lecture particulière, pour essayer de recenser vraiment tous les thèmes et tous les aspects du texte. Donc c'est assez remarquable, c'est une grande entreprise qui a été faite là. Mais ça n'est pas la règle générale. Enfin, au-delà des index, nous pouvons avoir d'autres types d'annexes. Nous avons des notes complémentaires, nous avons parfois des tableaux qui mettent en regard certaines choses. Je voudrais vous montrer simplement, certains volumes ont des cartes qui ont été faites ici. Par exemple, Bède le Vénérable, histoire ecclésiastique du peuple anglais. Donc nous avons une carte de l'Angleterre avec tous les sites de l'époque qui sont cités ou qui ont une importance dans le volume. Et pour l'anecdote, je vais vous montrer deux autres volumes qui sont intéressants. Le Bernard de Clairvaux, l'Office de Saint-Victor.
qui comportait dans les manuscrits même des partitions musicales, qui donc ont été retranscrites dans le volume, puis aussi également reproduites à la fin du volume, donc dans le manuscrit de Troyes, qui les contenait. Et enfin, il y a eu aussi un CD édité qui est à la fin du volume, avec une interprétation par le chœur des Ambrosiniens de Dijon. Donc c'est évidemment une exception. Et le dernier que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Cosmas Indicoplestes, la topographie chrétienne, qui comporte dans ce volume un certain nombre de dessins, d'illustrations qui ont été faites par la collaboratrice qui a y travaillé et qui sont absolument remarquables. Voilà, donc nous terminerons sur ces images-là. We can see the unity of this collection of 600 volumes and also its diversity. It is visible as soon as we open the cover of the book. Dans Source chrétienne, source est au pluriel. C'est l'un des intérêts majeurs et l'un des traits propres de la collection par rapport à d'autres que de réunir en un seul ensemble de larges corpus, assurant ainsi le plus large ressourcement possible. Tout en opérant un discernement parmi les textes, elle fait un décloisonnement entre divers corpus, diverses langues, diverses traditions. La collection n'est donc pas limitée à un seul auteur, à une seule langue, à une seule période. Nous allons de la Didaché, la doctrine des 12 apôtres, jusqu'à François d'Assise, et même au-delà. Elle ne se limite pas à des catégories, elle ne se limite pas non plus à des confessions, puisqu'il y a des textes juifs, gnostiques, hérétiques, apocryphes dans la collection. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est le titre « Source », sans préciser « chrétienne », qui avait été choisi, et puis on s'est rendu compte que le titre était déjà retenu. Donc on a ajouté « chrétienne » après ça. La diversité des genres littéraires est aussi illustrée. Il y a aussi bien des traités que des commentaires, des récits, des textes historiques, des lettres, des hymnes et des poèmes. On a donc sur une palette unique, il y a de fait une numérotation continue des volumes, quel que soit leur type. Donc sur une palette unique se déclinent quatre couleurs de couverture, qui correspondent en quelque sorte à quatre séries internes à la collection. Il y a les volumes rouges, qui sont les volumes orientaux, par exemple en syriaque, ceux d'Éphrem, ceux d'Aphrate le persan, ou bien dans d'autres langues orientales, le géorgien avec Jean de Bolnissi, l'arménien avec Grégoire de Narek. Il y a les volumes couleur grège, alors là ce sont les volumes grecs, Basile, Athanase, Cyril, Clément et d'autres. Les volumes latins, eux, sont coquilles d'œufs, donc Jérôme, Ambroise, Hilaire, Tertullien, Cyprien, par exemple. Et enfin, une série bleu clair qui est consacrée à la spiritualité monastique d'Occident, Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry, entre autres. Certains volumes sont dotés de jaquettes qui les mettent ainsi bien en valeur. Il y a ainsi tous les volumes de Bernard de Clairvaux, mais aussi les numéros qui correspondent à des centaines. Ainsi, Cyprien de Carthage pour l'unité de l'Église, ou encore la vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie, qui est un manifeste, une sorte de faire-part de naissance de la vie monastique. Et puis, il y a des volumes plus particuliers, comme les préfaces au livre de la Bible de Jérôme, qui marque l'importance de la Bible au centre des écrits de la littérature chrétienne et qui marque aussi le rôle non moins important de Jérôme dans la traduction et l'étude érudite de la Bible. On observe un équilibre presque parfait entre grec et latin dans la collection, parce qu'on a 46% de latin, 50% de grec et 4% d'orientaux. La légère préférence pour le grec vient peut-être de l'orientation originelle de la collection, en un sens œcuménique et plus particulièrement orthodoxe. Jusque-là, on étudiait, on connaissait mieux les textes latins. L'idée était de faire fonctionner ensemble les deux poumons du monde méditerranéen, à la fois l'Orient et l'Occident, et du coup de mettre un peu plus l'accent sur l'Orient.
D'un point de vue quantitatif, si l'on compte plus de 300 auteurs patristiques ou médiévaux, la collection est relativement représentative puisqu'on compte plus de 150 auteurs différents, sans parler des nombreux textes anonymes. Dans cet ensemble, il y a un absent très important, à savoir Saint Augustin. Il est déjà présent tout de même dans deux volumes un peu anciens, mais en fait, à lui tout seul, il est fait l'objet d'une collection à part qui est publiée à l'Institut des études augustiniennes à Paris, à savoir la Bibliothèque augustinienne. Mais il y a d'autres absents qui sont toujours absents, comme Grégoire Palamas, si important dans l'orthodoxie. Inversement, la collection aide à faire connaître des auteurs jusque-là trop peu connus, comme par exemple Martin de Braga ou encore Liberatus de Carthage. Malgré l'ampleur de la collection qui dépasse 600 numéros, il nous reste beaucoup de travail à faire. En effet, si l'on estime qu'il faudrait arriver à 3000 numéros pour couvrir l'ensemble de nos corpus, on peut estimer qu'on a du travail pour 300 ans. Il est vrai qu'en raison de l'évolution de la collection, qui est marquée par une exigence accrue en termes scientifiques, il s'agit plus seulement de traduction, mais d'édition critique, avec des apparats, des notes fouillées, chacun de nos volumes semble devoir demander plus de temps. Certains auteurs gigantesques, beaucoup d'œuvres, des manuscrits innombrables, des versions dans différentes langues, comme Jean Chrysostome, semble même devoir demander un travail infini. Malgré ça, on observe que pour les 2e et 3e siècles, la collection a couvert un peu entre 20 et 30% du corpus, un petit peu moins pour le 4e siècle, très important, et on tombe à 8% pour les siècles suivants. Mais pour un auteur comme Origène, par exemple, on en est à peu près à 2/3 et on peut espérer, à moyen terme, pouvoir aboutir aux œuvres complètes de ce grand auteur. When an author has been completely edited and published, his works can be assembled in one compact volume. This was accomplished, for example, for the complete works of Irenaeus of Lyon, Ecclesiastical History of Eusebius of Caesarea, or the Apostolic Constitutions. In 2018, a complete digitalization of the collection began. The Édition du Cerf made an agreement with Belgian publisher Brepols, chosen for their skills in textual databases. The entire collection of texts in their original language and French translation will become available online on the website Brepolis. Innovative research will then become possible. The production of these books depends upon a necessary teamwork. Let us enter into the beehive of Source Chrétienne. Les auteurs ou collaborateurs modernes de la collection sont des chercheurs, enseignants-chercheurs, appartenant au monde académique, université, CNRS ou autre, ou au monde religieux. Ils nous présentent leurs projets, soit spontanément, soit sollicités par nous, et leurs fichiers ou tapuscrits sont examinés par un rapporteur qui fait une expertise auprès de notre conseil scientifique. Ce conseil scientifique, une trentaine de personnes, en plus de l'équipe, s'y trouvent des universitaires de nombreuses facultés en France, mais aussi en Suisse, en Italie ou ailleurs, aident à orienter les projets, à les retenir, donne un avis favorable ou défavorable. Si l'avis est favorable, le manuscrit suit son cours et c'est l'équipe qui les prenne en charge. Le réviseur fait son travail en collaboration avec les auteurs. C'est un échange souvent très fécond pour les deux, l'auteur et le réviseur. Ensuite, on aboutit aux épreuves après la mise en page qui est faite ici ou chez un prestataire extérieur. Et le bon à tirer est donné en même temps que sont envoyés les fichiers aux éditions du CERF. Les éditions du CERF, à leur tour, transmettent un imprimeur et ensuite assurent la parution, la commercialisation, la diffusion en rapport avec leur distributeur.
entre le moment où les premiers fichiers nous sont remis de la part des auteurs et le moment où le volume paraît, il faut compter en moyenne 12 mois. Alors, le réviseur est spécialisé en langues anciennes et en patristique. Il reçoit le manuscrit de l'auteur sous forme numérique. Il va faire porter son attention sur deux points essentiels pour permettre à l'auteur de finaliser son ouvrage. C'est sur le côté scientifique et aussi sur le côté technique. Pour ce faire, on va porter l'attention sur la cohérence, vérifier qu'il n'y a pas de contradiction dans l'ouvrage, proposer, si c'est nécessaire, des amendements pour clarifier le propos. On va proposer également de restructurer, si nécessaire, l'ouvrage. Par exemple, s'il comporte des notes trop importantes, on va proposer à l'auteur de réduire ses notes en faisant figurer dans le corps du texte les informations qu'elles veulent délivrer et qui paraissent devoir se trouver plutôt dans l'introduction que dans les notes. Le réviseur va apporter son expertise en vue de clarifier certaines difficultés de traduction, d'interprétation ou de mise en perspective du contenu de l'ouvrage. Il veille à ce que l'ouvrage soit aussi accessible à un public plus large que la seule communauté scientifique. Et pour cela, il peut être amené à proposer des amendements ou des clarifications sous forme de développement ou de notes supplémentaires. Le réviseur va également se pencher très sérieusement sur tout ce qui concerne les références, qu'elles soient bibliques ou non bibliques. Il va corriger, relire et, le cas échéant, enrichir la bibliographie avec l'accord de l'auteur, bien entendu. Il va vérifier les références bibliques. Au niveau de la traduction, le réviseur va relever les petites erreurs ou les oublis, les répétitions, les incohérences. Au niveau technique, le réviseur corrige les fautes, les maladresses, la ponctuation, la mise en forme, par exemple au sujet des citations bibliques. Elles seront mises en italique sans guillemets, alors que les allusions bibliques, elles, resteront en caractère romain. Il corrige le texte en langue ancienne. On vérifie la mise aux normes éditoriales du texte selon la totalité des directives des sources chrétiennes, de façon à pouvoir donner à la PAO un manuscrit propre et exploitable. Pour mettre en page les volumes de la collection Sources chrétiennes, nous utilisons le logiciel de PAO InDesign, qui fait partie de la suite Adobe. Nous avons notre double page et à côté, nous avons tous nos outils, la palette d'outils, les gabarits, les styles de paragraphes, de caractères, d'objets, les glyphes, les notes, les références croisées. Pour disposer notre texte, nous utilisons des maquettes qui sont valables pour toute la collection. Pour chaque partie de notre ouvrage, nous utilisons une maquette différente. Pour la page de titre, l'introduction, la bibliographie, la partie texte et traduction, les index, la table des matières et la liste finale. Je vais vous montrer en exemple la partie texte et traduction des commentaires sur les psaumes d'Hilaire. C'est le numéro 565 de la collection. Et plus particulièrement, le traité sur le psaume 52. Donc je vais aller chercher ma maquette qui va me servir pour toute la partie texte et traduction. Je vais appliquer un gabarit à mes pages. Le gabarit sera différent selon le nombre d'apparats. Ici, nous n'avons qu'un seul apparat, l'apparat scripturaire. Du coup, je choisis le gabarit adéquat. Nous avons un bloc qui va accueillir le texte latin sur la page de gauche, un bloc qui va accueillir la traduction sur la page de droite, un bloc qui va sur deux pages et qui accueillera les notes de bas de page, et enfin un bloc qui accueillera l'apparat scripturaire. Il y aura tout un travail de mise en forme. Chaque partie fera l'objet d'un fichier InDesign. Donc là, vous avez la page de titre,
l'avant-propos, les sigles et abréviations et la bibliographie, les index, la table des matières et la liste finale. Et tous ces fichiers sont rassemblés dans ce qu'on appelle un livre InDesign. Et à la fin du travail, on enregistre ce livre et on peut l'imprimer en PDF pour qu'il soit envoyé à l'imprimeur. The activities of Source Chrétienne have opened up to the digital era, especially since 2006 with the project Biblindex. Biblindex est un index des citations et allusions bibliques dans les textes chrétiens de l'Antiquité et à terme du Moyen-Âge. Ce projet avait été initialement porté par le Centre d'analyse et de documentation patristique de Strasbourg entre 1965 et 2000, et Source Chrétienne a hérité des archives de ce centre. Et le projet a été donc repris en 2006 grâce à des financements successifs de la région Rhône-Alpes, de l'Agence nationale de la recherche et de l'Association des amis de Source Chrétienne. Le projet était non pas de reprendre exactement la même chose que Biblia Patristica qui produisait des volumes papier, mais de rendre ces références bibliques disponibles en ligne gratuitement. Actuellement, en 2018, nous avons environ 400 000 références disponibles en ligne, mais prochainement, ce corpus sera plus que doublé grâce aux saisies qui ont été effectuées depuis ces dernières années à l'Institut des Sources Chrétiennes et grâce à des collaborateurs extérieurs. Deux sites ont été développés dans le cadre du projet Biblindex. Le premier est ce formulaire de recherche qui permet de rechercher les références bibliques dans le corpus des Pères de l'Église. Alors on choisit tout d'abord le corpus biblique à explorer. Je vais prendre ici juste un verset, un des plus cités par les Pères, donc Genèse 1:26. Et je vais regarder combien d'occurrences de ce verset on a dans le corpus actuellement présent sur le site. Je constate qu'il y a 1115 occurrences de ce verset, ce qui est évidemment beaucoup. Donc je vais restreindre mon corpus à un seul auteur, prenons par exemple Ambroise. Et donc 86 occurrences cette fois-ci, je peux lancer la recherche. Et je vais donc obtenir la liste de tous les lieux de l'œuvre d'Ambroise où ce verset apparaît, classé donc ici par œuvre. On constate donc que le verset apparaît à peu près dans toutes les œuvres d'Ambroise, avec évidemment des lieux plus importants comme l'Hexaéméron ou le commentaire sur le psaume 118. Le deuxième site de Biblindex permet de naviguer dans les textes bibliques avec l'onglet Outils bibliques. Donc on peut sélectionner un texte et puis afficher donc les versets de chaque chapitre. De cette façon, on a donc les Bibles anciennes, la Septante, la Vulgate, le Nouveau Testament syriaque, et puis des traductions modernes ou anciennes en français et en anglais. Donc c'est la première fonctionnalité. La deuxième, c'est la mise en correspondance de ces Bibles, puisqu'elles ont été toutes mises en parallèle de façon fine et manuelle par l'équipe de Source Chrétienne. Donc là, si je prends un exemple dans le livre des psaumes. Voilà, je sélectionne une Bible et je la mets en parallèle avec d'autres pour pouvoir afficher les correspondances et apparaissent également les différences de numérotation entre ces Bibles, ce qui peut être très pratique car souvent elles sont importantes. Voilà, donc je sélectionne toutes les Bibles possibles et je lance la recherche pour faire apparaître une synopse, et vous voyez en rouge toutes les différences de numérotation, puisque c'est le psaume 31 dans la Bible de Jérusalem, mais le psaume 30 dans la Septante ou la Vulgate. Je suis très heureux d'être associé pendant les années dernières avec les chercheurs qui travaillent sur Biblindex. C'est une ressource unique dans le monde, utile pour tous qui tentent de découvrir la diffusion et la compréhension des textes bibliques. Elle nous aide non seulement à répondre aux questions anciennes, mais aussi de formuler les questions nouvelles. Biblindex permet de nouveaux questionnements de recherche, en particulier par l'utilisation d'outils statistiques. On pourra par exemple étudier la répartition des références à tel ou tel livre dans des zones géographiques données ou à des époques données. On pourra étudier les préférences de tel ou tel auteur
pour tel ou tel passage biblique, et aussi envisager les co-occurrences de versets, ces constellations de textes qui peuvent se retrouver chez un auteur ou plusieurs, et dont la co-occurrence n'est pas forcément perceptible à la simple lecture. Besides this project, the team organizes seminars. They deal with the subject of digital humanities as well as patristic exegesis. Several publications outside of the collection have appeared, especially a collective work on the reception of scriptures in the three monotheistic religions, as well as a new series, the Biblindex Notes, based on the interventions given during the monthly seminar of the project. For Source Chrétienne is also a center for training and research that receives each year many students, teachers, and researchers. They come from the different universities in Lyon, but also from farther away. They can consult books in the library. Vous êtes ici dans la bibliothèque des Sources Chrétiennes. Elle est composée d'une salle de lecture et d'un magasin. Notre fonds est constitué d'environ 26 000 documents. Il s'agit d'ouvrages et de périodiques spécialisés dans l'étude des Pères de l'Église et dans l'histoire du christianisme ancien et médiéval. Dans la salle de lecture, les lecteurs ont à disposition les grands dictionnaires spécialisés, comme le dictionnaire de spiritualité, le dictionnaire de théologie catholique, le dictionnaire d'archéologie et de géographie chrétienne. Ils ont aussi divers dictionnaires de langues anciennes et modernes. Ils ont toute la collection Budet, qui présente la plupart des textes classiques de la littérature gréco-latine. Ils ont accès aussi à des instruments bibliographiques comme la clavis ou l'année philologique. Alors, il y a aussi tout un rayonnage de Bibles et d'ouvrages d'études sur la Bible. Et au fond de notre salle de lecture, nous avons toute une collection de textes patristiques en langue originale. Nous avons aussi des collections de traductions françaises, comme les Pères dans la foi ou des traductions italiennes. Et bien sûr, nous avons toute la collection Sources Chrétiennes. Nous allons maintenant passer dans le magasin. Vous avez là 800 mètres linéaires de rayonnage mobile en libre accès. Vous y trouverez des périodiques, des collections de traductions en français et en langues étrangères, et de nombreuses études patristiques. Nous avons un petit fonds d'histoire qui va jusqu'au Moyen-Âge. Vous trouverez également un fonds assez important de tirés à part. Il s'agit de tirages d'articles ou de chapitres d'ouvrages envoyés par les auteurs qui ont travaillé pour la collection. C'est un fonds précieux pour nous et pour le travail des lecteurs. Il y en a environ 8000 classés ici. Enfin, vous avez le fonds ancien qui contient des éditions patristiques du XVIe au XIXe siècle. Pour trouver tous ces ouvrages, vous avez bien sûr un catalogue informatique accessible sur Internet. But our visitors also come to learn. Indeed, the Institute, outside of the regular organization of seminars that take place on the authors of the collection, proposes a large number of courses and workshops. À Source Chrétienne, les séminaires occupent une grande place, une place centrale avec cette grande salle de documentation, ces fenêtres des deux côtés du bâtiment. Dans ces séminaires, il y a des séminaires de latin, de textes médiévaux actuellement, des textes de Isaac de l'Étoile, par exemple, de Guillaume de Saint-Thierry, ces grands médiévaux qui ont poursuivi la tradition des pères. Et il y a aussi des cours de langue sémitiques, car l'hébreu, le syriaque sont importants pour nos études, même s'il n'y a pas de père, bien sûr, qui est écrit en hébreu, mais en revanche, en syriaque, il y a un nombre important de pères, et c'est pour ça que c'est l'occasion pour nous d'avoir deux séminaires et un cours d'initiation qui permet à quelques étudiants bien d'entrer dans ces séminaires ensuite. Le syriaque, c'est la langue du Christ, c'est le Moyen-Orient, c'est une langue fille de l'araméen et une langue qui a servi beaucoup à traduire les pères grecs. Et donc, il y a une connexion telle que
un certain nombre d'ouvrages qui ont été condamnés en grec, eh bien, se conservent maintenant dans des traditions syriaques. C'est aussi l'ouverture de sources chrétiennes à l'Orient. Il y aura des textes d'arabe chrétien. Il y a déjà un texte géorgien. Et on espère bien un jour avoir de l'éthiopien, du copte, pour permettre de manifester cette étendue et cette richesse des pères de l'Église. Voilà un petit peu les séminaires qui nous occupent. Il y a aussi un séminaire de latin sur Agobard de Lyon, un des maîtres, un des évêques de Lyon, de la Renaissance carolingienne, et d'autres encore suivant les occasions, et le séminaire Bible Index, en fait, qui représente un peu notre fleuron, au sens où, depuis des années, chaque mois, quelqu'un réfléchit, présente soit une façon d'interpréter des pères, les multiples interprétations, qu'elles soient allégoriques, qu'elles soient littérales, que présentent les pères de l'Église, soit des questions de texte, comment le texte de la Bible a des différences, et ces différences sont importantes pour la compréhension du message lorsque les pères les citent, ou encore des questions de tradition, de redécouverte des origines de telle interprétation, de tel développement. The courses offered by Sources Chrétiennes are part of the educational program of the Hazoma Laboratory, to which Sources Chrétiennes belongs. They can therefore be validated by the students from state universities, but they are of interest also to auditors as well as students from the theology department of the Catholic University of Lyon, with which a master's degree has been established. Since 2013, Sources Chrétiennes has been a partner with the Catholic University of Lyon for the master's degree in theology and patristic studies. Je dirais ceci, l'idée au départ, il y a 5 ans, a été de proposer un pôle d'excellence en théologie donc, et sciences patristiques ici sur Lyon. La formation de ce master veut se développer selon 5 axes bien repérés. Tout d'abord, un axe d'étude des langues, bien évidemment, ça va de soi. Ensuite, un axe d'étude littéraire des textes. Un axe ensuite de prise en compte du contexte historique et culturel. Enfin, un quatrième axe qui s'oriente autour de l'étude de l'exégèse et de la théologie des pères de l'Église. Et enfin, un dernier axe, un cinquième, qui lui se focalise sur la réception de la littérature, mais aussi de la théologie des pères de l'Église dans les siècles qui leur sont postérieurs. Pour l'équipe des Sources Chrétiennes, bien sûr, toute leur expertise en matière de recherche, d'édition critique, de traduction, et également de connaissances vastes sur la culture et la littérature chrétienne antique, mais aussi leur qualité d'enseignant, puisque des chercheurs des Sources Chrétiennes interviennent également comme enseignants dans le cadre de ce master ou dans l'animation de différents séminaires. Outre les diplômés que nous avons déjà eus, nous avons actuellement 7 étudiants en master, et puis 5 doctorants. Nous avons également des étudiants qui viennent suivre tel ou tel cours, soit d'autres universités canoniques en France, soit d'universités d'État, qui viennent asseoir et consolider leur formation en théologie. Nous avons également parmi nos étudiants des étudiants qui viennent de l'étranger, au départ francophone, de Madagascar, du Liban, de l'Inde, et également d'autres pays. Source Chrétienne is therefore a place where meeting and exchanges enrich the researchers, the teachers and the students who attend. Here we can listen to some of their experience. J'ai entrepris depuis quelques années une thèse de doctorat et je voudrais ici remercier vivement toute l'équipe des Sources Chrétiennes pour son aide extrêmement précieuse, tant des traductions des diverses sources dont j'ai besoin, que de l'ouverture de la bibliothèque et de tous les locaux, et de toutes les aides supplémentaires pour la documentation
et la recherche des sources. Je dis vivement ma gratitude à cette équipe qui est très disponible et très compétente. Bien, comme vous le voyez, dans un couvent dominicain, en règle générale, nous sommes assez bien pourvus, nous avons une bonne bibliothèque pour travailler. En revanche, nous n'avons pas forcément les chercheurs, nous n'avons pas forcément les personnes qui se passionnent spécifiquement pour les pères de l'Église. Alors ce que m'apporte en particulier l'Institut des sources, c'est de pouvoir faire des rencontres avec des savants, avec des passionnés, qui, pour certains d'entre eux, depuis très longtemps, font des recherches approfondies en vue de l'édition des textes que nous avons dans la collection. C'est en particulier le cas à l'occasion des séminaires auxquels nous participons. Et dans ces séminaires, dans ces stages, comme par exemple le stage d'ecdotique ou dans les laboratoires de recherche, eh bien nous avons l'occasion de nouer des contacts avec des personnes qui font des recherches plus précises sur tel ou tel sujet et de pouvoir ensuite eh bien, reprendre contact et nous enrichir mutuellement des travaux des uns et des autres. The intellectual discussions that characterize the daily life at Source Chrétienne today are directly inspired by the project of its founders, the Jesuit fathers Victor Fontoinon, Jean Danielou, and Henri de Lubac. During the 1930s at Fourvière, they had the intuition that the rediscovery of the fathers could deeply renew theological thought. Since then, this vision of the fathers as intellectual and spiritual developers has continuously guided our collaborators who, for the past 75 years, have animated the collection. Le père Mondésir, qui était mon prédécesseur comme directeur pendant 40 ans de cette équipe, aimait évoquer les choses chrétiennes comme une aventure. Et il chargeait ce mot « aventure » d'explosif, si je puis dire, et de risque, de hasard. Et on a tout intérêt, je pense, à replacer la naissance des sources chrétiennes dans un immense mouvement culturel qui est la lente manière qu'ont eu les chrétiens de retrouver du crédit dans la culture générale depuis les Lumières, depuis la Révolution française. Au fond, on cherchait à trouver quelqu'un qui soit aussi fidèle dans sa foi que Thomas d'Aquin, mais en même temps, qui ne parle pas comme lui. Il y a un autre langage que lui, c'était la quadrature du cercle. Aussi fidèle, autrement. Et voilà, alors c'est ici que sont apparus les pères de l'Église. Dès les années 30, dans la colline de Fourvière où était installé le séminaire des jésuites, un petit groupe de jésuites attachés autour d'un certain Jean Danielou, que nous allons revoir dans cette histoire rapide, et s'était constitué et qui étaient tous gagnés par les vues du père Henri Lubac, un autre nom important, qui en particulier en 1936 avait publié un livre qui s'appelle Catholicisme, aspects sociaux du dogme, qui véritablement ouvrait des perspectives tout à fait nouvelles et présentait, en appendice de son livre, une petite anthologie des pères de l'Église. Un pauvre papier, de l'encre à peine lisible, pas de traduction du grec, pas de texte grec, seulement la traduction, et édité et publié en Belgique. Voilà, la vie de Moïse, premier volume de la collection. Je m'arrête un peu dans mon exposé en m'invitant à lire, tous ceux qui m'écoutent, à lire dans peu de temps la correspondance du père de Lubac et du père d'Adélou qui va être publiée dans quelques semaines et qui relate alors toute cette aventure qui va continuer de risque en risque jusqu'à produire 75 ans après 600 volumes.
The enduring pursuit of this adventure has required a well-established organization, which was introduced essentially by Father Mondésert in the 1950s and 60s. The creation of an association has carried on, among other things, its objectives. L'Association des Amis de Source Chrétienne, créée en 1956, est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1960. Elle compte actuellement 500 membres cotisants. Elle a plusieurs missions. Elle a un rôle de soutien auprès des institutions pauvres des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe de l'Ouest. Elle les aide à acquérir des volumes de la collection Source Chrétienne. Elle a un rôle d'information par la diffusion de son bulletin annuel qui relate la vie de l'équipe, les livres parus dans l'année et le rapport financier. À signaler également son site internet www.sourcechrétienne.net. Par ailleurs, elle a également un rôle de communication événementiel lorsqu'elle organise des manifestations à l'occasion de la sortie d'un de ses livres emblématiques, comme ici « Patient de Barcelone » qui avait donné lieu à un colloque, ou encore son « Source chrétienne » numéro 500 qui avait été l'occasion d'un voyage en Tunisie. In the 1960s, the incorporation of the collaborators of Source Chrétienne into the National Center for Scientific Research constituted a major turning point in the life of the collection. Today, Source Chrétienne is associated with the Hizoma Laboratory, History and Sources of the Antique Worlds. Donc c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui a une mission de recherche et de formation à et par la recherche dans le domaine de l'étude historique des mondes antiques en Méditerranée. Alors, ce laboratoire, il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il réunit une centaine de permanents, archéologues, historiens, philologues, plus un pôle administratif et de nombreux ingénieurs, mais auxquels s'ajoutent, donc des permanents auxquels s'ajoutent une centaine de doctorants et également de chercheurs associés dans toutes ces disciplines. Donc pluridisciplinaire, on y tient beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un même objet d'étude peut être éclairé par des disciplines et des compétences particulières. Alors dans ce cadre-là, il est vrai que l'équipe des sources chrétiennes occupe une place centrale, d'abord parce qu'elle fait partie des composantes fondatrices d'Hizoma, c'est extrêmement important, mais également parce qu'elle constitue un pilier de cette activité, une activité à la fois scientifique mais également éditoriale. Elle est vraiment le pilier, enfin l'un des piliers de ce pôle éditorial qui est une des priorités du laboratoire, qui a des équipes qui travaillent sur l'édition des sources antiques, que ce soit en épigraphie, que ce soit en archéologie, évidemment en littérature et notamment en littérature de l'Antiquité tardive. Alors cette équipe pour nous, pour le laboratoire, c'est un pilier, je dirais, pour quatre raisons. D'abord par son expérience, parce que les sources chrétiennes, c'est une collection qui, je crois, va publier bientôt le 600e volume. Je crois que dans le monde et dans l'édition des textes patristiques, il n'y a pas d'équivalent. Donc ça dit déjà ce que ça veut dire. Également son attractivité, je dirais, par l'excellence de son activité aujourd'hui, une excellence qui est due à ses permanents ingénieurs du CNRS et membres de l'association, qui constituent des volumes vraiment qui sont, dont la qualité est reconnue dans le monde entier. J'étais récemment au Brésil et j'ai pu m'en rendre compte, comme chaque fois que je rencontre des spécialistes de l'Antiquité tardive. Donc un pilier par son expérience, par son activité, par sa capacité d'expertise aussi dans l'édition des textes de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, et je dirais aussi par son attractivité. Et l'attractivité, c'est un des points qui, là, comme directeur de ce laboratoire, me frappe le plus. Le nombre de demandes de rattachement ou de séjour à Lyon que l'on reçoit pour pouvoir approcher les sources chrétiennes, travailler aux sources chrétiennes, c'est assez remarquable. Une attractivité que l'on voit aussi par toutes les demandes d'étudiants qui veulent faire un master ou un doctorat
d'édition de textes patristiques ou d'études de textes patristiques. Ça, je dirais que c'est le signe le plus évident de l'attractivité des sources chrétiennes. Donc une attractivité auprès de ses étudiants, auprès plus largement des spécialistes de l'Antiquité tardive, qui ne sont pas uniquement des patrologues, il y a aussi des archéologues, des historiens, des philosophes, des théologiens qui ont besoin de lire les textes patristiques. Et je dirais qu'une des principales réussites, à nos yeux, de l'équipe des sources chrétiennes et du laboratoire qui soutient son activité, c'est d'avoir démontré que les sources patristiques, que la littérature patristique, était une documentation exceptionnelle et indispensable pour l'étude de l'Antiquité tardive, quel que soit le domaine, l'étude des sociétés de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Ce sont des sources au même titre que d'autres sources que l'on étudie peut-être depuis plus longtemps. Et c'est une chance pour nous d'avoir été comme association présent à la création de la Maison de l'Orient, qui réunit non seulement le laboratoire Isoma, mais d'autres laboratoires travaillant dans le domaine de l'Antiquité. Elle a poursuivi son rôle, en particulier en fournissant des locaux qui permettent à Sources Chrétiennes d'être une maison et de pouvoir abriter aussi bien l'équipe du CNRS que les jésuites et les membres de l'association, ainsi que, bien sûr, dans sa bibliothèque, les chercheurs et les doctorants et les étudiants de master qui sont là. Donc on peut dire que cela permet une certaine souplesse dans le fonctionnement et donne vraiment la possibilité, en particulier pour les chercheurs qui travaillent à Sources Chrétiennes, d'avoir sur place non seulement la bibliothèque, mais encore un personnel qui va aider à fabriquer le livre, à le mettre dans le circuit de sa publication aux éditions du CERF, et donc de faciliter cette transition entre le fait de préparer le livre, de le relire ou de l'écrire carrément, quand on fait la traduction, etc., avec tout ce qu'il contient, et ensuite de le diffuser. Voilà, donc cette complémentarité est une chance pour nous, à côté de l'immense contribution du CNRS au salaire et à l'accompagnement de ces chercheurs, eh bien c'est vrai que l'association, par ce qu'elle reçoit de ses nombreux contributeurs, peut permettre justement d'élargir l'action, en particulier du côté de Bible Index. In order to ensure the lasting quality of Sources Chrétiennes, it is, needless to say, important that the collection should reach a diverse public and be an answer for many needs in our time. Sources Chrétiennes, le nom même l'indique, c'est une aventure de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mot source dedans et on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas de là où l'on vient. Et cette notion, évidemment, de la grande culture classique, grecque, latine, elle est aussi chrétienne, évidemment, et c'est une part essentielle de notre patrimoine. Donc, cette mémoire, ce n'est pas simplement une mémoire du passé, c'est une mémoire vivante. Sources Chrétiennes, c'est l'excellence, en fait, aussi de la recherche en France, l'excellence des études classiques, alliée aussi avec l'idée que ces textes, au fond, nous parlent encore aujourd'hui, aux croyants peut-être, en fait, à toutes les personnes qui sont en quête de quelques vérités existentielles, parce que ces pères de l'Église, ils sont véritablement inscrits dans la vie. In 2007, Sources Chrétiennes received the Medal of the City of Lyon. Pourquoi ? Bien parce que cette distinction témoigne de la dimension culturelle et patrimoniale qui lui a été reconnue par la ville de Lyon, où la collection est née, où elle s'est développée grâce au soutien du CNRS et à l'activité aussi des chercheurs de cette équipe depuis plus de 70 ans. Le patrimoine immatériel que représentait lorsque la médaille de la ville de Lyon a été remise à Sources Chrétiennes représentait 500 volumes. Aujourd'hui, elle représente 600 volumes de textes anciens édités, traduits, commentés et mis à la disposition d'une large communauté internationale. Et je crois que c'est là la raison première de la distinction. En 2009,
Source chrétienne a reçu le prix Paul VI. Un jour, je reçois un mail me prévenant « Vous avez gagné le prix Paul VI qui s'élève à 100 000 euros. » J'ai cru que c'était un canular, un mail comme on en reçoit des dizaines, qui est une farce ou une attrape. Et puis c'était vrai. Le prix Paul VI est un prix international qui est délivré tous les 5 ans par l'Institut Paul VI. On l'appelle parfois le Nobel catholique, ce prix. Et jusque-là, c'était des individus et pas une institution qui l'avait reçu. Il y a eu Messiaen, le musicien, il y a eu Paul Ricoeur, le philosophe, Urson Balthazar, le théologien, des gens comme ça. Et puis, cette année-là, c'est Source chrétienne qui a été choisie. Pourquoi ? Parce que Source chrétienne a joué, selon les membres du jury, un rôle important pour l'éducation chrétienne. Ce qui veut dire, c'est la formation. En éditant les textes des Pères de l'Église, Source chrétienne, en les diffusant aussi à un large public, a contribué à la formation de la réflexion chrétienne, de la réflexion d'aujourd'hui, des théologiens sur la foi chrétienne. Et c'est donc au titre de cette importance de la collection pour la formation des générations actuelles et futures qui veulent penser la foi chrétienne, simplement. Quand on voit évidemment toutes les compétences qui sont mises en œuvre, paléographiques, philologiques, traduction, tout le côté savant, on pourrait croire que Source chrétienne, c'est une collection pour les élites. Pas du tout. Source chrétienne, ce sont aussi des textes extraordinairement faits pour l'homme, pour la femme d'aujourd'hui, qui encore une fois est en quête de sens. Et finalement, Source chrétienne s'adresse à tous ceux qui ont envie de savoir, un savoir qui détermine nos racines, un savoir qui détermine aussi notre compréhension du fait religieux, ce fait religieux qui est devenu si déterminant à l'horizon planétaire aujourd'hui. For those who are in process of ascent, what has already been discovered becomes the starting point of a search for more exalted things. And the one who rises never stops going, from beginning to beginning, and the beginning of greater things is never ending. If you wish to help ensure the future of Source Chrétienne, you can join the Association of Friends or make a contribution.